Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours complet de yoga pilates. Nous allons étirer et chauffer le corps avec le yoga et le renforcer avec le pilates. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance allongée sur le dos. Serrez le centre, serrez le périnée, retenez les besoins naturels. Les bras le long du corps, pliez les genoux, posez les pieds à plat au sol. Puis venez en douceur en chaise inversée. Montez un peu plus les genoux, les mollets sont parallèles au sol. On aspire le bas du ventre vers l'intérieur. On relâche le haut du corps. Puis on vient monter les bras vers le plafond. On inspire profondément. Et sur l'expiration, on soulève la tête et les épaules. On inspire, on revient à nouveau sur le sol. On expire, on soulève la tête. Et on continue à son rythme. Le dos va se soulever, ce qui va abaisser les bras et soulever la tête en même temps. Continuez, respirez amplement et profondément. Faites-en encore 4. Inspire, on repose. Expire, on soulève. 3. 2, serrez toujours le centre, un dernier, inspire, repose la tête, expire, repose les bras. On continue avec les 100 pompages, on reste dans la position de chaise inversée, à nouveau on aspire le centre, on soulève la tête, on soulève les bras parallèles au sol. Et on commence, on pompe fortement avec les bras, on inspire, 1, 2, 3. 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5. Et continuez. Serrez le centre, toujours gardez les genoux au-dessus des hanches. Le regard est orienté vers les genoux. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, libre à vous de reposer la tête au sol. Le mouvement des bras est un mouvement vif, rapide. Allez, on continue. Éventuellement, vous pouvez tendre les jambes vers le plafond pour aller un petit peu plus loin dans l'effort. On inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on continue. Encore 4 respirations. 3. 2, une dernière, et pliez les genoux, reposez la tête, tenez vos genoux avec vos mains, rapprochez les genoux du buste, et faites un mouvement de droite à gauche avec la tête pour soulager les cervicales. Vous sentez que le centre commence à se chauffer. Commencez à sentir vos abdominaux. Allez, prochain exercice. Vous allez à nouveau serrer le centre, aspirer votre ventre vers l'intérieur. Puis vous allez attraper vos chevilles avec vos mains. À nouveau, vous soulevez la tête, soulevez les épaules. Et on va commencer. Inspirez, tendez les bras au-dessus de la tête, tendez les jambes en diagonale. Expire, on plie les genoux, on attrape ses chevilles avec ses mains. Encore, inspire, on tend. Expire, on plie. Encore, 3, inspire, serrez le centre. Expire, plie. Inspire, tend. On ouvre bien les côtes en inspirant, on les ferme en expirant. Un dernier. Et reposez la tête. Enlacez vos genoux avec vos bras. Faites un mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite pour masser les lombaires. Pendant un instant, vous pouvez relâcher le centre. Puis reposez les pieds au sol et allongez les jambes.
On va continuer avec le roll-up. À nouveau, on serre le centre. Puis, prochaine inspiration. Montez les bras au-dessus de la tête. Les jambes sont serrées, les pieds sont flex. Et sur l'expiration, on soulève les épaules, la tête, on enroule le dos. On vient s'étirer vers l'avant. On inspire, on se redresse dos droit, les bras au-dessus de la tête. Expire, on se repenche en avant et on déroule la colonne vertébrale vers l'arrière, vertèbre par vertèbre. Une longue expiration. Allez, on en fait encore 4. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, on enroule le dos. On se penche en avant. Inspire, on se redresse les bras au-dessus de la tête. Expire, on se penche en avant et on déroule la colonne vertébrale. Inspire, on tend les bras au-dessus de la tête et c'est reparti encore 3. Expire, on enroule la tête, les épaules, le dos. On s'étire vers l'avant, inspire, on se grandit, dos droit, les épaules basses, les bras tendus au-dessus de la tête. Expire, on se penche en avant et on déroule la colonne vertébrale en partant des lombaires, milieu, haut du dos. On pose la tête, on inspire, on tend les bras. Encore 2. Serrez bien le centre tout au long de l'exercice. Ouvrez et fermez les côtes pour bien respirer amplement et profondément. Allez, on déroule la colonne vertébrale sur le sol. On inspire, on tend les bras au-dessus de la tête. Un dernier. Inspire, on se redresse. Expire, on enroule vers l'avant, puis vers l'arrière. Inspire, on tend les bras au-dessus de la tête. Expire, on ramène les bras le long du corps. Dès que vous êtes prêt, roulez sur le côté et venez vous asseoir. Les jambes tendues, le dos droit. Posez les mains de part et d'autre des jambes. Inspirez profondément. Et lors de la prochaine expiration, progressivement et en contrôle, relâchez le buste vers l'avant. Essayez de le maintenir droit dans un premier temps. À chaque expiration, glissez un peu plus vers l'avant en fonction de votre souplesse. Puis à la fin, vous pourrez enrouler le dos et enrouler la tête. Essayez de relâcher au maximum les jambes afin de bien les étirer. Vous pouvez relâcher le centre. Vous êtes en flexion avant, Paschimottanasana. Prenez des respirations amples, profondes, abdominales, thoraciques. Et déroulez la colonne vertébrale, redressez-vous. Venez vous mettre à quatre pattes. Crochetez les orteils. Et venez dans la posture du chien tête en bas. En alternance, pliez un genou puis l'autre afin de continuer à détendre l'arrière des jambes. Puis inspirez, marchez vers vos mains. Pliez les genoux. Et expirez, déroulez la colonne vertébrale. On continue à l'avant du tapis avec les salutations au soleil. Les petites suggestions en haut à droite de l'écran si vous avez besoin de les travailler séparément. Les pieds sont joints, le centre est serré. Et on y va, on inspire, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Expire, main jointe sur le cœur, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, on se redresse à mi-hauteur, les jambes sont tendues, le dos est droit, les mains posées sur le sol ou sur les tibias. Expire, on marche en planche, on serre le centre et on descend, genoux, poitrine, front, sol. Les coudes vers l'arrière, les hanches descendent en dernier.
Inspire, on se redresse, cobra, le centre toujours serré, les épaules basses. Expire, chien, tête en bas. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On plie en alternance un genou, puis l'autre si besoin. Si vous préférez, vous pouvez aussi rester dans une posture statique, les jambes tendues ou les genoux légèrement pliés si le dos n'est pas droit. Puis prochaine inspiration, marchez vers vos mains. Le dos est déjà droit, les jambes sont tendues, vous êtes redressé à mi-hauteur. Expire, on plie les genoux, on relâche la tête, on relâche le haut du corps. Inspire, on se redresse, dos droit, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe au-dessus de la tête. Expire, main jointe sur le cœur. Deuxième salutation. Toujours pieds joints, poids du corps ancré au sol, serrez le centre. Inspirez. Pliez les genoux, montez les bras au-dessus de la tête en chaise. Expire, on tend les jambes, on relâche le buste, on relâche la tête. Si besoin, on plie les genoux. Inspire, on se redresse, dos droit, les jambes tendues. Expire, on marche en planche, on serre bien le centre et on descend. Genoux, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, on redresse le haut du corps, les épaules sont basses. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. Genoux arrière au sol ou jambes arrière tendues. Inspire, on se redresse. Les bras au-dessus de la tête, guerrier 1. Puis expire, on pose les mains, on vient en planche et on descend genoux, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Genou arrière au sol ou jambes arrière tendues, pied arrière posé au sol. On se redresse guerrier 1, les bras au-dessus de la tête. Expire, on pose les mains au sol, on revient en planche et on descend. Genou poitrine, front au sol. Inspire, cobra, les épaules basses, le regard de face. Expire, chien, tête en bas et on reste dans la posture sur plusieurs respirations. On plie en alternance une jambe puis l'autre ou on reste dans une posture statique. Puis inspire, on marche vers ses mains. Le dos est droit, redressé à mi-hauteur, les jambes sont tendues. Expire, on relâche. Inspire, on se redresse en chaise, genoux pliés, bras tendus au-dessus de la tête. Expire, jambes tendues, on se redresse, mains jointes sur le cœur. Bien, le corps est complètement échauffé. Après avoir fait les abdominaux, on va passer au travail des jambes avec un travail de gainage et d'équilibre. Les mains sont posées sur les hanches. Poids du corps sur le pied gauche. Dès que vous sentez l'équilibre, inspirez, montez le genou droit face à la hanche. Expire, on tend la jambe, pied flex. Puis on ramène la jambe vers le bas, inspire, on plie le genou, pied, pointe, expire, on tend, pied, flex. Et encore, inspire, expire, on fait comme un pédalier avec sa jambe droite. On serre le centre, regarde en point fixe face à soi pour nous aider à tenir l'équilibre. Les épaules sont basses, on reste concentré sur le mouvement et sur sa respiration. Faites-en encore deux. Un dernier. Et posez le pied au sol. Respirez amplement, profondément, gardez le centre serré. Puis tendez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, on vient chercher loin derrière avec le pied droit, la jambe tendue. Et sur l'expiration, dès qu'on sent l'équilibre sur le pied gauche, on vient basculer le buste vers l'avant, montant la jambe droite un petit peu plus haut. Et au fur et à mesure où on sent que l'équilibre est présent, on continue la bascule jusqu'à amener le corps parallèle au sol si l'on peut. Attention à ne pas monter la hanche droite trop vers le plafond. Puis prochaine inspiration, pose le pied arrière au sol en guerrier numéro 1.
Les bras tendus au-dessus de la tête, le genou gauche au-dessus de la cheville. On reste dans la posture. Continue à respirer. Puis prochaine inspiration, on vient en guerrier numéro 2 cette fois-ci. Les bras sont parallèles au sol. Le regard au-delà de la main gauche. À nouveau, prenez quelques respirations dans la posture. Puis inspire, on revient en guerrier 1. Demi-pointe à l'arrière, talons vers le plafond. Et expire, on tend les deux jambes. Et à nouveau, on bascule en guerrier numéro 3, dans une diagonale. Puis on vient faire des pulsations vers le haut avec la jambe droite. Allez, au rythme de sa respiration, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Encore. Si vous pouvez basculer un petit peu plus vers l'avant et continuer à faire les pulsations vers le haut, jambes tendues, pieds pointes. Allez, une dernière fois. Et posez le pied arrière, guerrier numéro 1. Encore. Soulevez le talon arrière. Tendez les deux jambes, inspire. Expire, on plie les deux genoux. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, tend. Expire, plie. Encore 3. 2. Ajoutez les bras. Pliez les coudes vers l'arrière quand vous pliez les genoux. Tendez les bras quand vous tendez les jambes. Allez, un dernier. Inspirez, tendez, posez le pied arrière au sol, revenez en guerrier numéro 2. Et cette fois-ci, vous allez soulever le talon gauche uniquement. Inspire, on soulève, expire, on pose. Inspire, soulève, expire, pose. Encore. On continue. Le reste du corps ne bouge pas, seul le talon monte et descend. Faites encore 3. 2. 1. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, guerrier numéro 1. Expire, on ramène les deux jambes l'une contre l'autre et on relâche les bras. Vous avez déjà compris, on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, poids du corps sur la jambe droite. Les mains sur les hanches, dès que vous sentez votre équilibre, on va commencer le pédalier avec la jambe gauche. Inspire, on plie le genou, pied pointe. On monte le genou face à la hanche. On serre le centre. Expire, on tend la jambe, pied flex. On la ramène à côté de l'autre. Inspire, plie. Expire, tend. Ramène. Inspire, plie. Expire, tend. Ramène. Et on continue. Les hanches ne se soulèvent pas et restent parallèles l'une à l'autre. Il en reste encore 4. Gardez l'équilibre. 3. Maintenez la concentration. 2. Respirez amplement et profondément. Dernière fois. Et on repose le pied. Continuons avec les guerriers en commençant par le guerrier numéro 3. L'équilibre sur la jambe droite cette fois-ci. Allez, à nouveau, poids du corps sur la jambe droite. On va venir tendre les bras au-dessus de la tête. Les épaules sont basses. Tendez la jambe gauche, pied pointe vers l'arrière. Dès que l'équilibre est présent, vous penchez le buste et vous montez la jambe arrière un petit peu plus haut. Faites en fonction de votre équilibre. N'allez pas trop vite. Si vous pouvez, vous continuez à basculer jusqu'à amener le corps parallèle au sol. Vous formez un T. Puis vous posez le pied arrière au sol. Guerrier numéro 1, vous restez sur quelques respirations. Gardez le centre serré, le genou droit au-dessus de la cheville. Plus vous descendez bas, plus vous travaillez. Choisissez les options qui vous conviennent le mieux. Inspire profondément et sur l'expiration, venez en guerrier numéro 2.
Vous êtes tourné sur le côté gauche, le genou droit toujours au-dessus de la cheville, les bras parallèles au sol, le regard au-delà de la main droite. Prochaine inspiration, montez les bras au-dessus de la tête, guerrier numéro 1. Guerrier numéro 3, on expire. Et dès que l'on est prêt, on se penche légèrement dans une diagonale et on commence les pulsations vers le haut. Allez, 1, 2, 3, 4, on va jusqu'à 8 si on peut, on se penche un peu plus. 5, 6, 7, un dernier, 8. On pose le pied arrière au sol. Guerrier numéro 1. Inspire, tend les deux jambes. À l'expiration, on plie les deux jambes. Inspire, tend. Expire, plie encore. 6. 5. 4. Le genou arrière ne touche jamais le sol. On ajoute les bras. 3. Les coudes se plient en arrière, puis se tendent. 2. 1. On vient en guerrier numéro 2. Les bras parallèles au sol. Et on soulève le talon avant. Allez, c'est parti. 8. 7. Respirez. 6. Inspire, on monte. Expire, on descend. 4. 3. Serrez le centre, gardez les épaules basses. 2. 1. Inspire, monte les bras, guerrier 1. Expire, on revient, pieds joints et on relâche les bras. Bien, vous devez sentir après le centre, les abdos, que les fessiers et les jambes commencent à chauffer un petit peu. Allez, inspirez profondément et sur la prochaine expiration, roulez la tête, les épaules, le dos, relâchez les bras, pliez les genoux. Détendez tout le haut du corps. Puis en alternance, vous venez tendre une jambe. Vous pliez. Vous tendez l'autre. Vous pliez à nouveau. Et ainsi de suite. N'hésitez pas à attraper vos coudes, à tendre complètement les jambes et à vous relâcher vers le bas. Vous pouvez faire un mouvement de bascule si vous en ressentez le besoin. Continue l'étirement avant de poursuivre avec le renforcement de l'arrière du corps et surtout renforcement du dos. Dès que vous êtes prêt, posez les mains au sol et marchez vers l'arrière dans la posture du chien tête en bas. Inspire, on plie les genoux. Expire. Posture de l'enfant. Prenez encore une respiration ample et profonde avant de poursuivre avec le renforcement de l'arrière du corps. Dès que vous êtes prêt, venez vous mettre à quatre pattes, crochetez les orteils à l'arrière sur le sol. Puis venez en chien tête en bas. Serrez le centre. Puis inspirez, venez en planche. Expire, chien tête en bas. Allez, on en refait encore 4. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. 3. Repoussez-vous bien du sol, éloignez les omoplates en planche. Encore 2. Un dernier. Et posez les genoux au sol. Cette fois-ci, mettez-vous à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les fessiers au-dessus des genoux. On inspire le ventre vers l'intérieur. On inspire, on va glisser la main droite sur le sol face à soi. Expire, on glisse le pied gauche. On tend la jambe. Puis on va monter à l'inspiration, jambes et bras. Expire, on descend. Encore 2, inspire, monte. Expire, descend.
Un dernier inspire, monte. Et on reste en haut. On tend la jambe, on tend le bras, on reste. Les hanches parallèles, les épaules parallèles, le regard sur le sol. On serre le centre au maximum, on inspire. Et à l'expiration, on plie coude genou. Inspire, tend. Expire, plie coude genou. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend et reste à nouveau. On reste sur une respiration profonde avant d'amener la pulsation vers le haut. Allez, on en fait 3, 2, 1. On reste à nouveau dans la posture. Puis on vient dans la diagonale, on inspire, expire, on ramène. Inspire, diagonale. Expire, ramène. Une dernière fois, inspire, diagonale. Expire, ramène et reste. On va faire une combinaison. On inspire, on monte la jambe, on monte le bras. Expire, on plie, coude, genou. Inspire, on tend. Expire, diagonale. On ramène. Inspire, pulsation vers le haut. Expire, plie, coude, genou. Inspire, tend. Expire, diagonale. Et on ramène une dernière fois. Inspire, pulsation vers le haut. Expire, on plie, coude, genou. Inspire, tend. Expire, diagonale. On ramène à l'inspiration. On reste, puis on vient attraper avec sa main le coup de pied à l'arrière. Prochaine inspiration, on tend un petit peu plus le pied vers le plafond. On étire bien le dos vers l'arrière, on étire la cuisse et l'épaule. Puis on inspire, on retend jambes et bras. Et expire, on pose la main et le pied au sol et on ramène. On est à nouveau à quatre pattes et on va faire la même chose de l'autre côté. On fait 3 mouvements de chaque à chaque fois. Allez, dès que vous êtes prêts, on travaille sur l'autre diagonale. On aspire le centre. Inspire, main gauche vers l'avant. Expire, jambe droite vers l'arrière. Inspire, on monte. Expire, descend. Encore 2. 1. Inspire, monte et reste sur une respiration. Puis, pulsation dès que vous êtes prêt. Allez, on commence. On inspire, on monte. Expire, on revient. Encore 2. 1. On reste, jambes et bras tendus. Puis on vient dans la diagonale. 3, 2, 1. Puis on ramène et on fait la combinaison. Inspire, monte. Expire, plie, coude, genou. Inspire, tend. Expire, diagonale. Ramène. Inspire, pulsation vers le haut. Expire, plie, coude, genou. Inspire, tend. Expire, diagonale. Ramène. Une dernière fois. Inspire. Pulsation vers le haut. Expire. Coude, genou. Inspire, tend. Expire, diagonale. Inspire. Ramène. On reste. Puis on attrape son coup de pied avec sa main. On presse le coup de pied contre la main afin de l'amener un petit peu plus haut vers le plafond. Le corps s'étire vers l'arrière. On se repousse toujours du sol. On garde l'équilibre, on serre le centre. Puis inspire, on tend nouveau bras et jambes. Expire, on repose et on revient à 4 pattes. Puis tendez les jambes en planche. Ouvrez les pieds en V. Cette fois-ci, serrez le centre. Venez en chien tête en bas, pliez les genoux. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas, on plie les genoux. Encore, inspire, planche. Expire, on plie. Encore 2. Plie vers l'arrière. Encore 1. Inspire, planche. Ramenez les pieds parallèles. Expire, chien tête en bas. On s'étire un petit peu dans la position. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Si l'on peut, on tend les jambes. Puis on inspire, on pose les genoux au sol. On expire, on avance
les mains un peu plus en avant et on vient poser la poitrine sur le sol. Nous sommes dans la posture du chiot, les fessiers au-dessus des genoux, le front posé au sol. On étire le dos. On étire les épaules. Puis redressez-vous. Amenez le bras gauche sous le corps, posez l'épaule au sol, posez la tête. Vous êtes en torsion vers la droite. Les fessiers toujours au-dessus des genoux. C'est une variante de la posture du chiot. Le chiot est en torsion. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi amener le bras droit à l'arrière du dos, le coude est plié. Puis revenez, les deux mains au sol et on échange. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient glisser sous le corps, l'épaule se pose au sol, la tête se pose au sol. On reste dans la posture sur plusieurs respirations. Et éventuellement, si on le souhaite, on amène le bras gauche à l'arrière du dos, l'épaule gauche tournée vers le plafond. Et on revient les deux mains au sol. On redresse le buste. On inspire et on expire dans la posture de l'enfant. Puis on inspire, on déroule la colonne vertébrale. Et on expire, on s'installe confortablement. Les fessiers sur les talons pour étirer les coups de pied. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, libre à vous de venir en tailleur. Posez la main gauche au sol. Inspire, on monte le bras droit au-dessus de la tête. Expire, on se penche vers la gauche. Les fessiers restent bien sur les talons. Regard de face ou vers le plafond. Inspire, on se redresse et on échange. On se penche vers la droite cette fois-ci. Inspire, on se redresse. Expire, torsion vers la gauche. Gardez les épaules basses, le dos droit. Inspire, on revient. Expire, torsion à droite. Inspire, on revient. Et expire, on vient se mettre en tailleur. Inspirez, grandissez-vous, posez les mains face à vous et sur l'expiration. Relâchez le buste, relâchez la tête vers l'avant. Relâchez bien les jambes, gardez les fessiers posés au sol. Détendez le dos, détendez les épaules, détendez l'ensemble du corps et gardez une respiration ample et profonde. Je vous invite à rester dans cette posture aussi longtemps que nécessaire et à continuer à travailler sur votre respiration. J'espère que cette séance vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.